Bonjour, donc je suis Sandrine Grasto, chercheure à l'unité de recherche avicole et ma spécialité c'est la recherche en génétique. Donc je cherche des moyens pour améliorer les races de poulets pour les rendre plus adaptées au monde de demain et en particulier à l'alimentation. En effet, les poulets mangent essentiellement des céréales et des protéines et pour ça il faut des champs qui sont du coup utilisés pour l'alimentation animale et pas pour l'alimentation humaine. Et donc, avec l'augmentation de la population humaine, on a de plus en plus besoin de ces céréales, de ces protéines, et donc d'encore plus de champs pour nourrir ces animaux, alors même qu'on a d'autant plus d'humains qui veulent manger eux aussi des céréales et des protéines. Donc la première partie de mon travail, c'est de voir si je ne peux pas utiliser des matières premières alternatives pour libérer ces surfaces agricoles, pour nourrir les hommes directement, plutôt que pour nourrir les poulets. La deuxième problématique, c'est sur les protéines, puisqu'en Europe, les poulets au niveau protéique sont nourris avec du soja essentiellement, et que le soja, il est importé massivement. Et donc, pour acquérir une meilleure indépendance au niveau protéique, on cherche des sources de protéines alternatives. Et donc, pour ça, on a cherché si améliorer la capacité des animaux par la sélection à améliorer la capacité des animaux à digérer un aliment alternatif, composé de coproduits de céréales et de protéines plus locales, hein, pourrait être possible. Nous avons mis en évidence que c'était possible, hein, et que non seulement on améliorait la capacité à digérer des animaux, mais également on améliorait leur impact environnemental, puisqu'ils produisent moins de rejets, et qu'on ne dégradait pas des paramètres importants tels que le bien-être animal, le comportement ou la résistance aux maladies. Et de ce fait, hein, nous avons maintenant un matériel génétique, hein, et une proposition d'outils de sélection pour les sélectionneurs du privé qui permet de mettre en pratique cette sélection pour améliorer l'aptitude des animaux à digérer leur aliment.